Bienvenue au Quiz à Birdie. Cette semaine, André Waters affronte Daniel Melançon. Bienvenue au Quiz à Birdie. Daniel, es-tu prêt à te dévoiler? Ben oui. Oui? Ben oui. Si tu pouvais jouer l'US Open, mais que tu devais le jouer en G-string, le jouerais-tu? Hey. Ça, c'est dur. Je te dirais oui. Ah! Mais je m'assurerais d'avoir un G-string de format XXXXXXL. Tu sais, format parachute. OK, qui cache tout, là. Je pourrais m'envelopper avec ça, puis là, je pourrais aller jouer les US Open. C'est une belle image que tu viens de nous donner, Daniel. André, le plus tôt possible que tu te lèves pour aller golfer, ça serait quoi? Mais moi, je suis une lève-tôt quand même. Donc, moi, quand on a rendez-vous vers 7h30, 8h, là, je suis partante. OK. Cette heure-là, il fait pas trop chaud parce que je suis pas une grande fan de la chaleur. Mmh. Donc, oui, c'est mon style. Très bien. Et Daniel, es-tu capable de me dire le poids d'une balle de golf? Oh, le poids d'une balle de golf? Je pourrais dire combien il y a d'alvéoles approximativement, mais le poids d'une balle de golf? Ah, je sais pas, moi, 250 grammes. Bien, selon Google, c'est 46 grammes. Oh! André, qu'est-ce qu'on retrouve dans tes poches de Bermuda ou de pantalon pendant une partie de golf? Écoute, mon mascara, mon gloss, ma crème... Non, c'est pas vrai. Là, j'étais là, j'ai dit, on partit d'une sortie au restaurant non. ou une partie de golf? La même chose que tout le monde, une coupe de tee, des grands, des petits, des balles, un marker... C'est pas mal tout. Rien de spécial. C'est assez classique. Puis à ton avis, Daniel, à quoi on reconnaît un golfeur en dehors d'un terrain de golf? Ben, écoute, c'est une très, très bonne question. Quelqu'un qui est calme, qui est zen, qui est bronzé, qui a une marque ici. Tu sais, une marque de lunettes. Oui. Ouais. Ça pourrait être des indices, mais c'est vrai que c'est pas évident. Elle me pose la question, elle fournit les réponses. Et elle se mérite, cette semaine, le petit prix! C'est moi qui gagne! Bien sûr! Oh, merci! Ben, c'est un plaisir! Félicitations, André! Merci beaucoup! Et sortez golfer!